Souhaitant participer et répondre aux enjeux de traitement des déchets, Emmanuel et Laura Sigourani et leur équipe se sont lancés dans une étude pour évaluer la capacité des vers Nousral à participer à ces nécessités environnementales. On a récupéré des vers des zones de fumier dans un champ. Donc là, on voit bien qu'on a plusieurs sortes de vers de terre. Donc là, on a du vers endémique. Donc, on a trouvé des vers de terre, il y en a des différents. On a des petits, des un peu plus gros, des longs. Donc on va procéder à une identification. Et on saura un petit peu qui c'est. Voilà, récolte du vers Nousral. Oh là là, regarde un peu ça, regarde ça. 2, 3, 2, 3, 4, 4, là, 5, là, c'est la plus grosse pêche qu'on a. Hop, voilà, ouais, super. Oui, c'est la chasse au vers Nousral, qu'est-ce que ça veut dire, Nousral? Corse. Oui. Un petit aussi? Eh, hey, il y a des cloportes. Il y en a un là? Ah ouais, ah oui. Voir, super. Ah. Tout ce que vous avez trouvé? Ils ont deux. Eh ben. Ils ont deux. C'est égal là. Je vomis voilà, dans la terre. Allez, on y va. Côté, ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va, vas-y. Du coup, là, on a réparti les vers que vous avez trouvés en trois baignoires. Comme ça, on a des gros steaks, des blancs, des rouges. Et après, on pourra faire une identification. Voilà, donc là, on fait notre petite extraction pour inoculation. Donc on a plusieurs variétés, on a à peu près 5 variétés qu'on a récoltées un petit peu partout dans le jardin. On a des œufs, voilà. Donc voilà, donc là on va inoculer des bacs. On a fait plusieurs essais avec, on essaie avec de la nourriture, de recyclage de supermarché, de récupération de fumier divers. Fumier précomposté et fumier frais. Donc là on a fait un amalgame de matière, paille, fumier précomposté et matière légumes. Donc là c'est vraiment les protocoles d'essai pour maîtriser au mieux les transformations. Préparation des mélanges. Donc hachage des matières récupérées. Donc on a mis un lit de fumier précomposté. Essai recyclage des biodéchets avec les vers de terre. Là on sait qu'on a pris 15-20 cm, donc on fait carrément une... Voilà, il y a un côté, on va mettre... Les bébés, donc là on les met où? Les œufs. Bon, les bébés on peut les mettre sur le... Bah, on peut les mettre avec tous les autres. En fait là le but c'est de faire un comptage en nombre, et après on va faire, quand il y a différentes variétés, blanc ou rouge ou gros, on essaie au moins de les séparer. Bon. Les Black Soldier, tu veux les compter ou pas? Donc là le but c'est vraiment de compter le nombre de vers par litre, combien d'œufs et combien de variétés de vers. Worms babies. Thank you.
72, ça fait 180. L'observation. Alors l'observation en fait c'est que on a. Donc là on a préparé. On a en gros près de 200 verres. On a pris dans le bac zéro. Et on va inoculer celui-là de bac avec ça. Il y a quelques verres. On en a fait des bouts, hein.